Regarder un match de foot est déjà assez exaltant en soi. Mais ce qu'il est encore plus, c'est d'assister à un match où les choses se passent bizarrement. Lors d'un match entre l'Autriche et le Danemark, un trou mystérieux a surgi de nulle part sur la pelouse et a retardé le match. Les joueurs étaient furieux, mais aussi déconcertés par cet étrange trou. C'est un joueur danois qui a attiré l'attention de tout le monde lorsque sa jambe s'est retrouvée coincée. Le trou était suffisamment profond pour engloutir sa cheville. Heureusement, il l'a trouvé avant le coup d'envoi. Si ça avait été pendant le match, il aurait pu se blesser gravement et compromettre sa carrière. Il a simplement montré à tout le monde à quel point le trou était profond. Ensuite, le match a été retardé de 90 minutes supplémentaires en raison d'une panne d'électricité. Les supporters ne savaient plus quoi penser. Certains étaient frustrés que l'équipe qu'ils étaient venus soutenir ne puisse pas jouer, tandis que d'autres trouvaient toute la situation amusante. Lors d'un match entre la Colombie et le Brésil à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, un criquet géant a décidé de se poser sur le bras de James Rodriguez juste après qu'il ait marqué un penalty. Le joueur ne l'a pas remarqué tout de suite. Le criquet devait être un fan de foot et voulait sans doute féliciter le joueur à sa manière. Ce n'est d'ailleurs pas le premier animal à être apparu au beau milieu d'un match de foot. Un autre incident s'est produit au Brésil alors que deux clubs locaux s'affrontaient. Tandis que le match battait son plein, un chien a décidé qu'il voulait participer à l'action. Il est entré sur le terrain et s'est emparé furieusement du ballon pour en faire son jouet à mâcher. Les joueurs étaient à la fois stupéfaits et amusés par ce chien qui perturbait le cours du jeu. Finalement, les officiels sont intervenus et ont mis fin au plaisir de l'animal. En 2006, lors d'un match de Ligue des Champions entre Villarreal et Arsenal, un petit écureuil gris a traversé le terrain en zigzagant près de l'attaquant. C'était aussi probablement un grand fan de foot. Tu as déjà entendu parler d'un groupe de renards envahissant un terrain? À Dance Park, une bande de renards a décidé de creuser des trous autour du terrain, probablement à la recherche de lapins. Diego Maradona est l'un des meilleurs joueurs de foot de l'histoire. L'Argentin était rapide, énergique et épatait les spectateurs du monde entier par sa fougue sur le terrain. Mais lors d'un quart de finale entre l'Argentine et l'Angleterre pendant la Coupe du Monde 1986, il est allé un peu trop loin lorsqu'il a tendu le poing en l'air pour frapper le ballon et l'envoyer dans les filets de l'équipe adverse. À la grande fureur des supporters, le but a été validé. Les arbitres n'avaient pas une vision claire du but alors qu'ils auraient dû garder les yeux sur le ballon. Les Argentins menaient déjà d'un but et le match s'est finalement terminé sur le score de 2-1 en leur faveur. Ils ont même fini par remporter cette Coupe du Monde, ce qui a conforté Maradona comme le plus grand joueur de tous les temps. L'une des soirées les plus mémorables de l'histoire du ballon rond a été celle qui a opposé le Brésil à l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2014. Les deux équipes sont des géants du football, toutes deux composées de joueurs vedettes prêts à rendre leur pays fier. Les deux équipes ont pleuré, mais pour des raisons différentes. Le Brésil a encaissé pas moins de 7 buts sur son propre terrain. Les supporters brésiliens étaient abasourdis par ce moment historique. L'Allemagne a fini par remporter le trophée en battant l'Argentine en finale. La finale de la Ligue des Champions 2018 entre le Real Madrid et Liverpool était l'un des matchs les plus attendus de l'année. Et Liverpool visait plus que jamais le titre. Le gardien Loris Karius était en pleine forme, mais ce soir-là, apparemment, ce n'était pas son soir. L'équipe et les fans du monde entier ont été choqués lorsqu'il a commis non pas une, mais deux erreurs fatales. La première a été commise lorsqu'il a accidentellement donné le ballon à l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, très près du but. Karius avait récupéré le ballon, mais n'a pas vu l'attaquant à proximité. Il a mal calculé sa passe et a concédé un but gratuit. La deuxième erreur est survenue lorsque Gareth Bale a décoché une frappe enroulée que Karius aurait pu facilement capter. Mais au lieu de cela, il a essayé de dévier le ballon qui a glissé de sa main au fond des filets. Madrid a fini par remporter le trophée et la carrière de Karius n'était plus la même. Heureusement, Liverpool a fini par remporter la Ligue des Champions quelques années plus tard contre Tottenham. Un autre fiasco s'est produit lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2014 que peu de gens ont vu. Il s'agissait d'une rencontre entre les États-Unis et le Costa Rica, qui s'est déroulée dans les pires conditions. Il neigeait à gros flocons et les joueurs étaient furieux. L'équipe du Costa Rica a même déposé un recours suggérant que le match n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais il a finalement été rejeté. L'équipe américaine a remporté le match sur le score de 1-0. Une autre scène étrange s'est produite lorsqu'un gardien de but a décidé de consulter son téléphone pendant un match. Il jouait pour l'Atlético Paranaense de la Ligue brésilienne. Personne n'a su ce qu'il faisait sur son téléphone, mais il a réussi à le manipuler en gardant ses gants. Le 21 juin 1982, le match entre la France et le Koweït a été mouvementé. Alors que les Français perdaient 3-1, le Koweït a encaissé un nouveau but.
Rien d'extraordinaire, si ce n'est que le dirigeant du Koweït de l'époque a décidé de descendre sur le terrain et d'affronter l'arbitre lui-même au beau milieu du match. Il ne pouvait pas accepter le but et a demandé à l'équipe de quitter le terrain. L'arbitre a été forcé de refuser le but et le match s'est poursuivi. L'équipe a tout de même fini par encaisser un autre but en fin de match. Arsenal a compté de nombreuses légendes dans son effectif au fil des décennies. Mais le but de Niklas Bentner, marqué en 1,8 secondes, n'a pas son pareil. Ce but est considéré comme le plus rapide jamais marqué par un remplaçant en Premier League. L'attaquant danois est entré en cours de jeu et a repris de la tête un corner tiré par Cesc Fabregas contre son grand rival Tottenham Hotspur. Baisser la tête pour consulter son téléphone ou aller aux toilettes quand un but est marqué est toujours frustrant. Mais quand un joueur réalise un triplé en 70 secondes, c'est encore plus frustrant. C'est ce qu'a fait Alex Thor lors d'un match entre Rawson Springs et Wynn Gardens. L'équipe a remporté le match 7-1 grâce à ses buts marqués entre la 11e et la 13e minute. L'un des incidents les plus étranges est celui d'un arbitre qui a donné un carton rouge à un joueur alors qu'il était sur le point d'être remplacé. Le joueur, Samuel Inkoum, avait reçu un carton jaune pendant le match. Les règles du football indiquent que tout joueur qui enlève son maillot pendant le match reçoit un carton jaune, quoi qu'il arrive. Il a vu son numéro sur le panneau des remplaçants et, en marchant vers le banc, il a enlevé son maillot alors qu'il savait qu'il avait déjà un carton jaune. Mais il a dû se dire « Je quitte le terrain, qu'est-ce qui pourrait se passer ?» Un moment embarrassant s'est produit lorsque l'arbitre a couru vers lui et lui a montré son deuxième carton jaune, qui s'est transformé en carton rouge, signifiant l'expulsion. Le joueur qui attendait de le remplacer n'a pas pu rentrer et l'équipe s'est retrouvée avec un homme en moins. Le rêve de beaucoup d'enfants est de jouer pour les plus grands clubs du monde. Certains joueurs ont décidé de réaliser ce rêve un peu plus tard que la moyenne. De nombreuses enquêtes ont été menées pour découvrir que certains joueurs avaient menti sur leur âge. Par exemple, Gourey Mouki a prétendu avoir 12 ans de moins que son âge. Il avait 28 ans alors qu'il a dit à son club qu'il n'en avait que 16. Un pénalty est toujours éprouvant pour le gardien et pour le tireur. Lionel Messi, la superstar argentine, a obtenu un pénalty contre le Celta Vigo le 14 février 2016. Personne ne s'attendait à ce qu'il a fait ensuite. Au lieu de tirer normalement, il a couru jusqu'au point de pénalty et a passé le ballon à l'attaquant Luis Suarez dans une tentative insolente de confondre le gardien de but et d'exciter la foule. Ce n'était pas le geste le plus impressionnant de Messi, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du sport. Mais ce pénalty restera tout de même dans les annales pendant longtemps. Si tu veux appeler un ami américain en espérant qu'il ne te réponde pas, essaie de le faire le soir du Super Bowl. Plus de 100 millions de personnes assistent à la finale du sport préféré des Américains, qui est le programme télévisé le plus regardé de l'année. Bien qu'on y joue avec les mains, le football américain est appelé ainsi car il s'est développé à partir de deux sports, le rugby et le football, connu sous le nom de soccer en Amérique du Nord. De plus, avant certains changements majeurs dans les règles, on utilisait les mains et les pieds pour jouer. Un match de championnat de la NFL de 1958 a été le premier et jusqu'à présent le seul à se terminer en prolongation. Ce soir-là, les Colts de Baltimore jouaient contre les Giants de New York. Le stade était plein avec 68 000 spectateurs et des centaines de milliers de personnes le regardaient sur NBC. À un moment donné, la foule est devenue tellement déchaînée que le câble de NBC responsable de la diffusion s'est débranché. Le match était sur le point de se terminer, alors ils ont dû faire quelque chose immédiatement. Plus tôt, cette année-là, le New York Times avait demandé aux producteurs s'ils avaient un plan B pour un tel scénario. Il a répondu en riant qu'ils devraient probablement envoyer quelqu'un sur le terrain pour regarder le match. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé leur directeur commercial courir sur le terrain après un temps mort. Des agents l'ont poursuivi pendant un moment et tout le monde a pensé que c'était juste un striker. C'est ainsi que NBC a sauvé l'émission en ne manquant que la première séquence de jeu après le temps mort. Il est difficile d'imaginer un match de football sans huddle. Il s'agit de ces moments où les joueurs se rassemblent tous en cercle serré pour discuter de la stratégie, se motiver les uns les autres ou célébrer un touchdown. Mais ces huddles ne sont devenus populaires que dans les années 1890, grâce à Paul Hubbard, un quarterback malentendant de Gallaudet. Il ne voulait pas que ses autres coéquipiers lisent ses signes manuels, alors il a rassemblé ses coéquipiers en un cercle fermé pour protéger leurs secrets. Le match de 1982 entre les Cardinals de Stanford et les Golden Bears de Californie est entré dans l'histoire à cause d'une séquence appelée The Play qui s'est déroulée dans les toutes dernières secondes. L'équipe de Stanford menait 20 à 19 et il ne restait que 4 secondes. On pourrait penser que ce n'est rien, mais ce temps a suffi aux Golden Bears pour renverser la situation. Ils ont fait 5 passes en arrière et boum! Touchdown final. Ils ont gagné 25-20.
Contrairement aux ballons professionnels, les ballons utilisés lors des matchs universitaires ont des bandes blanches peintes à l'une des extrémités pour faciliter le repérage du ballon lors des matchs de nuit. Wilson, une célèbre entreprise d'équipement sportif, est le fournisseur exclusif des ballons pour les matchs de la NFL depuis 1941. Ils produisent aujourd'hui 4000 ballons par jour. Le premier match de football américain de l'histoire a été joué entre les collèges de Rutgers et de Princeton. Il était populaire parmi les étudiants, mais est rapidement devenu un sport assez rude. À un moment donné, il a même été interdit de jouer dans les espaces publics. Walter Camp, un célèbre joueur de rugby, est devenu le capitaine de l'équipe de football américain de Yale et a sauvé la situation. Il a changé les règles du jeu et en a fait le sport que nous connaissons aujourd'hui. La ligne de 20 yards jusqu'à la zone d'en-but est connue sous le nom de zone rouge. Le rouge a été choisi car c'est une couleur d'avertissement pour la défense. Lorsque l'attaque atteint cette zone, elle est dans la meilleure position pour marquer. Le football gridiron est un autre nom pour ce jeu. Pas d'histoire insolite ici. La seule raison est que le terrain de jeu ressemble à un grill utilisé en cuisine. Il semblait presque impossible que deux frères entraînent des équipes NFL qui s'affrontent en finale du Super Bowl. Mais c'est arrivé en 2013. Gene Harbaugh et John Harbaugh ont respectivement entraîné les San Francisco 49ers et les Baltimore Ravens, qui se sont affrontés lors du grand match. Leurs parents ont regardé le match dans le Superdome de la Nouvelle-Orléans. John, le frère aîné, a gagné. Ils ont brièvement échangé des félicitations après le match, mais ne se sont pas parlé pendant des semaines. Tous deux ont admis que le match avait été très dur sur le plan émotionnel. Il y avait auparavant la Ligue nationale de football et la Ligue américaine de football. Chacune ayant son propre champion, jusqu'à ce qu'elle fusionne en 1970. Ils ont dû décider de la nouvelle structure et n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et devine comment ils ont finalement résolu le problème? Eh bien, ils en ont simplement déposé 5 dans un vase et en ont sorti une au hasard. Le membre des Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, a trouvé le nom Super Bowl en s'inspirant d'un jouet qui ne coûtait que 98 cents. Sa femme l'avait trouvé dans un magasin de jouets à Dallas, au Texas, et lui a dit que la petite balle pouvait rebondir au-dessus d'une petite maison. L'idée n'a pas plu à tout le monde, et il y a même eu des concours pour trouver un autre nom. Mais celui-ci est resté. Le premier Super Bowl a eu lieu le 15 janvier 1967. Les billets ne coûtaient que 12 dollars, comparé aux 100 000 dollars qu'il faut débourser pour une place VIP aujourd'hui. Pourtant, il y avait encore beaucoup de sièges vides au Los Angeles Memorial Coliseum où il a eu lieu. Ils ont choisi l'emplacement seulement 6 semaines avant le coup d'envoi. Aujourd'hui, il est connu 3 ans avant le match réel. Depuis le 5e Super Bowl, on utilise des chiffres romains pour identifier les matchs. Cela permet d'éviter une certaine confusion. Par exemple, le Super Bowl 2023 aura lieu au début de cette année-là, mais la majorité de la saison aura été jouée en 2022. La seule exception a été le Super Bowl 50. La NFL pensait que le fait de le nommer Super Bowl L aurait pu faire baisser les ventes de billets. La NFL ne paye jamais aucune de ses superstars qui se produisent lors des spectacles de la mi-temps. S'y produire à 7 heures de grande écoute rapporte beaucoup plus d'argent aux artistes sur le long terme, car leurs ventes de disques montent toujours en flèche après le match. Ils reçoivent cependant de l'argent pour couvrir des dépenses qu'ils doivent engager pour préparer le spectacle. Cela peut représenter plus de 10 millions de dollars, donc ce n'est pas un si mauvais calcul après tout. Chaque équipe du Super Bowl reçoit 108 ballons. 54 d'entre eux servent de ballons d'entraînement, et 54 autres sont utilisés pendant le match réel. La mi-temps habituelle d'un match de la NFL dure de 12 à 15 minutes. Mais la super mi-temps dure 20 à 30 minutes, selon le spectacle qui s'y déroule. La pièce qu'ils ont lancée à pile ou face lors du match 44 pour décider quelle équipe donnerait le coup d'envoi avait passé 11 jours dans un vaisseau spatial de la NASA en orbite autour de la Terre. Pour s'assurer que le jeu est toujours équitable, 7 officiels ayant des fonctions différentes doivent être présents sur le terrain. Tu peux les reconnaître grâce à leurs chemises rayées noires et blanches. L'arbitre est le plus haut gradé d'entre eux et a le plus de responsabilités. Viennent ensuite l'umpire, le juge de fond, le chef des lignes, le juge de touche, le juge de ligne et le juge de terrain. C'est la ville de Miami qui a accueilli le plus d'éditions du Super Bowl avec 11 matchs. La deuxième place est occupée par la Nouvelle-Orléans avec 10 matchs. Le match a normalement lieu dans un climat chaud ou dans un stade couvert. La seule exception est le match qui a eu lieu au Tulane Stadium de la Nouvelle-Orléans, où la température à l'heure du match était de 4 degrés. Les Arizona Cardinals sont plus vieux que l'état qu'ils représentent. L'équipe a été fondée en 1898 et l'Arizona n'est officiellement devenu un état que 14 ans plus tard. L'équipe a aussi connu la plus longue période de l'histoire de la NFL où elle n'a pas gagné un seul match en post-saison. 51 ans. La NFL remet aux membres de l'équipe gagnante la fameuse bague du Super Bowl. Celle-ci n'a jamais été la même car les gagnants choisissent comment la personnaliser pour la rendre unique. Sa conception prend jusqu'à 4 mois.
La bague porte normalement le nom et le logo de l'équipe, le titre champion du monde ainsi que le logo et le numéro du Super Bowl. L'équipe peut remettre des exemplaires de la bague à qui elle veut, non seulement aux joueurs, mais aussi aux entraîneurs, aux formateurs, aux cadres, au personnel et aussi aux anciens joueurs et entraîneurs. C'est pourquoi le prix total de l'ensemble est d'environ 5 millions de dollars. La bague Super Bowl 45 des Green Bay Packers comportait plus de 100 diamants. 13 d'entre eux représentent chaque titre que l'équipe a remporté depuis 1929. Le soleil vient de se coucher et c'est le meilleur moment pour faire de l'exercice. C'est maintenant que tes muscles sont les plus performants, en raison de tes niveaux d'hormones. En t'entraînant le soir, tu te sentiras plus fort que si tu le faisais pendant la journée. En plus, si tu vas dans une salle de sport, il y aura sûrement moins de monde et les machines que tu veux seront à ton entière disposition. Par contre, si tu aimes suivre des cours collectifs, il se peut qu'il n'y en ait pas pour toi à cette heure-là. Mais après avoir passé une grosse journée de travail, tu pourras aller courir quelques kilomètres pour te déstresser. L'activité physique est un bon moyen de défense contre le stress à venir. Imagine de petites boules de stress qui viennent vers toi en criant « Termine-moi ce rapport ! Tu as 5 réunions cette semaine !» Elles ne t'atteindront pas, car tu auras une aura protectrice autour de toi. Les endorphines que tu libères te feront te sentir bien et détendu. Quand on est grognon, il est plus difficile de trouver la patience de faire quoi que ce soit, comme préparer sa journée du lendemain ou ne serait-ce que cuisiner. Que tu fasses de l'exercice dans ton salon ou dans une salle de sport ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la soirée sera plus calme. Si tu es chez toi, tu peux même tamiser les lumières et faire ainsi comprendre à ton cerveau que tu vas bientôt aller te coucher. Tu auras également une meilleure endurance, environ 20% de plus que d'habitude. De ce fait, tu constateras plus rapidement des progrès dans ton corps. Contrairement à ce que l'on croit, ceci n'affectera pas négativement ton sommeil et au contraire, tu n'endormiras que mieux. En fait, faire du sport à n'importe quel moment de la journée favorise le sommeil. Mais si tu en fais juste avant d'aller te coucher et que tu finis par regarder le plafond sans parvenir à fermer l'œil, c'est normal. Après l'entraînement, règle un minuteur sur 90 minutes afin de laisser suffisamment longtemps à ton corps pour se relaxer avant d'aller te coucher. Ou alors fais de l'exercice plus tôt, avant le coucher du soleil, et attends ensuite 3 heures avant d'aller te coucher. Cela pourrait t'aider à lutter contre l'insomnie. Tu seras peut-être tenté de regarder la télé ou de sortir avec tes amis au lieu de faire de l'exercice. Mais n'oublie pas que la clé, c'est d'être constant dans l'effort. Quand tu te réveilleras le lendemain, tu te sentiras plein d'énergie. Voici la méthode de respiration 4-7-8, au cas où tu n'arrives pas à t'endormir. Presse ta langue derrière tes incisives supérieures, puis expire complètement par la bouche en faisant un bruit de « whoosh ». Ferme ensuite la bouche et respire par le nez pendant 4 secondes. Retiens alors ta respiration et compte jusqu'à 7. Maintenant, ouvre la bouche, expire et fais à nouveau le son « whoosh » en comptant jusqu'à 8. Recommence 3 fois de plus et tu seras dans les bras de Morphée en un rien de temps. Le yoga est l'une des meilleures choses à faire le soir, tout comme d'autres exercices légers à modérer, comme les étirements. Cela t'aidera à améliorer ta posture et à prévenir les douleurs du dos. Tu bougeras mieux après t'être étiré et ton corps sera plus souple. Une autre activité intéressante est la natation. Va à la piscine quand il n'y a personne, tu pourras y faire tes longueurs tranquillement. Cela fera travailler tout ton corps et t'aidera à développer une meilleure endurance. Ton cœur et tes poumons te remercieront si tu nages fréquemment. N'oublie pas de bien t'étirer avant de plonger dans la piscine. Tu peux aussi prendre ton vélo et faire une petite balade nocturne en ville. Tu peux également faire de la musculation, mais veille à ne pas le faire trop intensément, car cela te fera faire le plein d'énergie et tu risques de ne pas pouvoir dormir. Et si tu n'es pas d'humeur à faire de l'exercice, va simplement te promener autour de chez toi. Ça reste de l'exercice. Si rien de tout cela ne te convient, fais de l'exercice dans ton lit. À moins que tu ne dormes sur une dalle de béton, ton matelas peut faire office de tapis, en mousse ou de ballon d'exercice, car il ne s'agit pas d'une surface stable. Tu peux faire des exercices de jambes. Allonge-toi sur le dos, genoux pliés, pieds à plat et mains tendues le long du corps. Ensuite, décolle tes hanches du lit jusqu'à ce que ton corps forme une ligne droite et sans redresser les jambes, presse sur ton talon d'appui et soulève une jambe du lit. Ramène le genou vers ta poitrine jusqu'à ce qu'il soit aligné avec ta taille. Repose ton pied sur le lit et recommence avec l'autre côté. Fais ceci 20 fois. Tu peux également faire des levées de jambes tendues. Allonge-toi sur le dos, jambes tendues, pieds et orteils tendus vers le plafond. Lève une jambe à 45 degrés, laisse-la comme ça pendant une seconde et repose-la sur le lit. Fais ceci 15 ou 20 fois avec chaque jambe. Fais 3 séries entrecoupées de 30 secondes de pause. Crunchies inversés.
Pour les faire, allonge-toi sur le dos, mains le long du corps et jambes tendues. Contracte les abdos pour lever tes jambes vers ton visage jusqu'à ce que tes orteils touchent la tête du lit. Redescends ensuite tes jambes lentement sur le lit. Veille à ce que le bas de ton dos ne se décolle pas du matelas. Rentre ensuite ton ventre comme si tu voulais que ton nombril touche ta colonne vertébrale. Répète cet exercice 10 fois et effectue 3 séries entrecoupées de 30 secondes de repos. Tu peux aussi faire des pompes. Allonge-toi sur le ventre, la tête près du bord du lit. Glisse-toi ensuite en dehors jusqu'à ce que tes hanches arrivent au bord du lit. Place tes mains sur le sol, comme pour faire des pompes normales. Abaisse alors ton buste jusqu'à ce que ta tête arrive entre tes mains, sans courber le dos. Fais cet exercice 10 fois, repose-toi 30 secondes, puis recommence 3 fois. S'entraîner le matin a aussi ses avantages. Tout d'abord, tu seras sur le chemin de la salle de sport, avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. Et lorsque tu seras enfin bien réveillé, tu seras déjà en train de soulever de la fonte. Le reste de la journée, tu mangeras même moins. Des études ont démontré que les séances d'entraînement matinales permettent de maîtriser la faim. Si tu as quelques kilos à perdre, faire de la musculation à jeun te fera brûler plus de graisse. C'est donc plus facile à faire le matin. Faire de l'exercice l'après-midi est aussi bon pour toi. Tu seras déjà échauffé par ta journée, comme pour l'exercice du soir. Ta force, ta souplesse et ton endurance n'en seront que meilleurs, tout comme ton temps de réaction. C'est parfait pour les sports comme le basket ou le foot, où il faut prendre des décisions rapides dans un court laps de temps si tu veux gagner. Après l'entraînement, prends une douche froide si tu as trop chaud. Cela rafraîchira tes muscles et ça pourrait même t'aider à perdre du poids plus rapidement. Mais d'abord, fais quelques étirements. Étirement des ischio-jambiers. Tiens-toi debout, pieds écartés à la largeur des hanches. Plie légèrement les genoux et laisse pendre tes bras le long de ton corps. Expire en te penchant vers l'avant et en baissant la tête vers le sol. Garde la tête, le cou et les épaules détendus. Ensuite, enroule tes bras autour de l'arrière de tes mollets et maintiens cette position pendant environ 45 secondes. Pour finir, plie les genoux et reviens à la position de départ. L'étirement de la grenouille. Mets-toi à quatre pattes. Fais glisser tes genoux pour qu'ils soient plus écartés que la largeur de tes épaules. Tourne tes pieds vers l'extérieur et pose leurs bords intérieurs à plat sur le sol. Puis ramène tes hanches vers tes talons. Garde cette pose pendant environ 30 secondes. En raison de la quantité de sueur que tu perdras lors de cet exercice, il est important de bien boire pour ne pas être déshydraté. Même si tu es tenté d'aller chercher une glace dans le congélateur, ne le fais pas. Essaye aussi de ne pas trop manger. Privilégie les aliments riches en protéines et en fibres, comme le blanc de poulet, accompagné de carottes et de brocolis. Si tu veux faire de l'exercice le soir et réduire ta consommation de calories, tu peux aussi ne rien manger après. Que ce soit le matin, l'après-midi ou même le soir, faire de l'exercice te fera toujours te sentir mieux. Contrairement au développé couché, le lever d'haltère permet à tes deux bras de travailler à parts égales. Cela fait également travailler les petits muscles, ce qui est parfait pour développer ta poitrine. Commence par un échauffement rapide pour préparer tes muscles. La position de Superman. Allonge-toi sur le ventre, bras et jambes tendus. Garde les fesses bien contractées, soulève les cuisses et les pieds à quelques centimètres du sol. Tout en faisant cela, lève également les bras et la poitrine en l'air et contracte les muscles du dos. Garde cette position pendant 2 à 3 secondes, puis reviens au sol. Fais 3 séries de 10 à 15 répétitions. La table. Assieds-toi par terre, les mains et les pieds bien à plat. Soulève les hanches de sorte que ton corps soit parallèle au sol et que tes genoux soient pliés à 90 degrés. Contracte le tronc et une fois levé, regarde le plafond. Garde cette position pendant 2 à 3 secondes et redescends. Recommence comme ça pendant 45 à 60 secondes. Presse au sol avec pont. Allonge-toi sur le dos, genoux pliés, pieds à plat sur le sol. Lève les haltères au-dessus de ta poitrine, les paumes des mains l'une en face de l'autre. Lève les hanches, contracte les fesses tout en appuyant tes pieds sur le sol. Ton corps doit former une ligne droite des épaules aux genoux. Descends en même temps les hanches et les haltères, arrête-toi en bas, puis remonte en position de pont en ramenant les haltères ensemble. En faisant cet exercice, tu feras non seulement travailler ta poitrine, mais aussi tes ischio-jambiers et tes fessiers. Fly press. Allonge-toi sur un banc, tiens les haltères à bout de bras au-dessus de la poitrine, paume tournée vers l'intérieur. Descends les haltères sur les côtés en faisant des mouvements lents et contrôlés. En descendant les haltères, plie bien les coudes et rapproche tes omoplates. Tu sentiras un étirement dans la poitrine. Les coudes doivent descendre à un angle d'environ 90 degrés. Si tu n'arrives pas à bien t'étirer, réduis l'amplitude du mouvement. Reviens en arrière, contracte la poitrine et redresse complètement les bras jusqu'à ce que tu reviennes au point de départ. Tu peux aussi faire une version inclinée de cet exercice.
Le fly press est un excellent exercice de musculation et de renforcement des épaules. Levé d'haltère à un bras et une jambe. Cet exercice stimule l'ensemble du corps, mais cible principalement la poitrine, les dorsaux et les ischio-jambiers. Tiens-toi sur ta jambe droite tout en t'appuyant de la main droite à une surface stable devant toi, comme un banc. Maintenant, baisse la poitrine et lève la jambe gauche. Prends un haltère avec la main gauche et lève-le vers ta taille, avec les coudes pliés à un angle d'environ 90 degrés. Fais 10 répétitions et change de côté. Si tu y arrives bien, tu n'auras pas besoin de te tenir à un banc. Cet exercice t'indiquera si tu as un bon équilibre et t'aidera à faire des progrès à ce niveau. Contrôle ton centre de gravité, garde le dos droit et ne laisse pas ton épaule partir en avant. Pompe avec haltère. Cet exercice stimule le haut du dos, le tronc, les bras, les épaules et bien sûr la poitrine. Saisis les haltères et mets-toi en position de planche, paume tournée vers le bas. Fais des pompes sur la pointe des pieds, mais si tu n'es pas prêt à le faire, mets-toi à genoux. Ton tronc doit être bien contracté et ton dos plat. Descends ton corps vers le sol, mais sans le toucher. Plie les coudes et arrête-toi un instant en bas avant de revenir à la position de départ. Une fois en position de départ, fais pivoter tes épaules vers le bas et vers l'arrière. Rentre le bassin pour protéger le bas de ton dos d'une tension excessive. Il s'agit d'un exercice bon pour tout le corps. Si ces pompes sont trop difficiles pour toi, fais des pompes normales jusqu'à ce que tu les maîtrises. Et reviens ensuite à celle-ci. Levé d'haltère debout. Cet exercice est bon pour les bras, les épaules et la poitrine. Mets-toi debout en tenant des poids dans les mains, pieds écartés à la largeur d'épaule et bras baissés. Lève les bras à la hauteur des épaules en les pliant au niveau de la poitrine. Tes paumes doivent finir tournées vers le haut et tes bras parallèles au sol. Concentre-toi sur la qualité de ton mouvement plutôt que sur le nombre de répétitions. Garde le dos plat et le tronc contracté. Regarde bien devant toi sans baisser la tête. Commence avec des haltères légers et augmente progressivement leur poids. Dumbbell fly sur ballon. Si tu as un ballon de stabilité, essaie ceci. Cela fera travailler l'ensemble de ton corps et améliorera ton équilibre. Assieds-toi sur le ballon avec les pieds tendus en avant. Avance tes pieds jusqu'à ce que ton cou, le haut de ton dos et tes épaules soient posés sur le ballon. Ton corps doit être parallèle au sol et tes genoux pliés à 90 degrés. Prends des haltères en mettant tes paumes vers l'intérieur. Tends les bras jusqu'à ce qu'ils soient perpendiculaires au sol, puis descends lentement les poids sur les côtés en contrôlant ton mouvement. Quand tu sens un étirement dans la poitrine et que les haltères sont dirigés vers l'extérieur, arrête-toi. Reviens à la position de départ. Contracte la poitrine lorsque tes mains se rapprochent. Cela fera travailler tes pectoraux. Si tu veux plus de soutien de la part de tes jambes, écarte un peu plus les pieds. Et si tu veux rendre l'exercice plus difficile, rapproche-les. Pull-over sur ballon de stabilité. Mets-toi dans la même position de départ que pour l'exercice précédent. Avance les pieds jusqu'à ce que la partie supérieure de ton corps repose sur le ballon. Garde les genoux pliés et le corps parallèle au sol. C'est ce qu'on appelle la position du pont. Tes deux mains doivent tenir un même haltère au-dessus de ta poitrine. Tes bras doivent être tendus, le tronc ferme et le bas du dos aussi droit que possible pendant toute la durée de l'exercice. Abaisse maintenant l'haltère derrière ta tête. Tes bras doivent être alignés avec le reste du corps. Fais un mouvement lent et contrôlé. Fais une pause, puis relève l'haltère jusqu'à revenir à la position de départ. Si tu laisses le ballon de stabilité et que tu fais cet exercice au sol, en levant légèrement les pieds, celui-ci mettra tout ton corps au défi. La presse Svend. Tiens-toi debout, pieds écartés à largeur des hanches, poitrine sortie et épaules en arrière. Prends les haltères. Tes paumes doivent être vers le bas, les bras pliés au niveau du coude, de sorte que les haltères soient parallèles au sol. C'est ta position de départ. Tends les bras et pousse les haltères jusqu'à ce que tes coudes soient droits. Les muscles de ta poitrine doivent être contractés lorsque tu as les bras tendus. Contracte bien les muscles et serre les poids tout au long de l'entraînement afin de maintenir une tension constante sur tes pectoraux. Fais une petite pause, puis reviens à la position de départ. Presse. Cet exercice est également connu sous le nom de squeeze press. Il se concentre sur la partie médiane de la poitrine. Allonge-toi sur un banc en prenant deux haltères dans les mains. Tiens-les sur ta poitrine, paumes tournées l'une vers l'autre. Colle-les ensemble au centre, c'est la position de départ. Tout en maintenant les haltères collés ensemble, pousse-les à bout de bras au-dessus de ta poitrine. Fais-le lentement,
arrête-toi un instant, contracte bien les muscles de la poitrine et reviens très lentement à la position de départ. Presse de poitrine debout. Prends un haltère et tiens-toi debout, pieds écartés à largeur d'épaule. Tes mains doivent se trouver à chaque extrémité de l'haltère. Tiens-le entre les paumes au niveau de ta poitrine. Plie un peu les bras au niveau du coude. Serre bien l'haltère avec tes mains, cela fera contracter les muscles de ta poitrine. Tes bras doivent rester droits et tendus et pousser l'haltère loin de toi. Reviens ensuite au point de départ. Ne lève pas l'haltère plus haut que tes épaules et contracte bien le tronc pour protéger le bas de ton dos. La théorie selon laquelle il faut faire du cardio intense le matin est fausse, surtout si tu le fais avant le petit déjeuner. On dit que si tu sautes un repas avant une séance de cardio, ton corps puisera dans les glucides et les graisses pour trouver son énergie. Mais en fait, si tu fais cela le matin et que ton dernier repas était ton dîner, ton corps risque de se nourrir de protéines, et tu en auras moins pour tes muscles. Bien sûr, il est essentiel de maintenir ton corps bien hydraté, mais évite de trop boire tout de même, surtout avant et pendant les séances d'entraînement. Le fait est que plus tu bois d'eau, plus ton corps contrôle l'équilibre des niveaux de sel. Si cela se produit pendant l'entraînement, tu peux avoir des vertiges. Bois 1 à 2 heures avant de commencer l'entraînement, et de préférence pas plus de 600 ml. Puis, 15 minutes avant l'entraînement, bois encore 240 à 300 ml. Une courte sieste avant ton entraînement peut stimuler ton niveau d'énergie et augmenter l'efficacité des exercices. Mais veille à ce qu'elle ne dure pas plus de 30 minutes. Si ta sieste dure plus d'une demi-heure, tu risques de te sentir encore plus somnolent qu'avant la sieste. Ne sous-estime pas l'importance des vêtements que tu portes pour t'entraîner. Même s'il gèle dehors et que tu décides quand même de faire ton jogging, 8 couches de vêtements te feront transpirer en un rien de temps. Puis l'eau s'évaporera instantanément et tu finiras par avoir froid. Évite également les extrêmes. Assure-toi que les vêtements que tu portes n'en sont pas trop chauds. Choisis des tissus naturels car ils absorbent la sueur, contrairement aux tissus synthétiques. Ne commence jamais une séance d'entraînement par des étirements, et ce pour deux raisons. Premièrement, les étirements te relaxeront. Tu seras plus lent et ton jogging ne sera pas aussi efficace. Ensuite, il y aura un effet négatif sur ton niveau d'énergie. Deuxièmement, si tu commences par des étirements, tu risques d'endommager tes muscles puisqu'ils n'ont pas été bien échauffés. Les étirements sont une bonne chose, mais garde-les pour la dernière étape de ton entraînement. Ne saute jamais les jours de repos. Ils existent pour une bonne raison. Tu dormiras mieux, tes performances augmenteront et tu seras moins susceptible de te blesser si tes muscles ont eu le temps de récupérer de la veille. 7 entraînements par semaine provoquent un épuisement et une surchauffe, alors tu auras de moins bons résultats. Mais pour ceux qui viennent de commencer à faire du sport, 2 à 3 fois par semaine suffisent, tandis que les athlètes professionnels peuvent consacrer jusqu'à 5 jours par semaine à leur entraînement. Évite la caféine avant l'entraînement et offre-toi une tasse de café fraîchement préparée uniquement lorsque tu auras terminé. Le café active le métabolisme, c'est pourquoi tu risques de ressentir plus un certain appel de la nature que l'envie folle d'aller faire du sport. En plus, il peut augmenter le rythme cardiaque et la pression sanguine, ce qui n'est pas bon pour ceux qui sont sur le point de commencer une séance d'entraînement. Vérifier constamment ton poids peut te perturber. Si tu commences à t'entraîner régulièrement, tu verras peut-être que tu prends du poids au lieu d'en prendre. Pourtant, le poids que tu vas prendre sera de la masse musculaire, c'est-à-dire un poids de qualité. De plus, ceux qui consultent la balance plusieurs fois par jour remarquent qu'elle change tout au long de la journée. À moins d'avoir une balance super intelligente qui compte la graisse et la masse musculaire, ton meilleur allié pour évaluer tes progrès est ton miroir. Certaines personnes jugent l'efficacité de leur séance d'entraînement par les courbatures qu'elles ressentent le lendemain. Mais en fait, ces courbatures indiquent seulement que tu as subi de petites ruptures dans les fibres musculaires. Les courbatures sont inévitables, si c'était ta première séance d'entraînement depuis 2 ans. Mais si tu n'es pas un débutant, sois attentif la prochaine fois que tu sentiras que tes muscles sont un peu tendus le lendemain de ton entraînement. Et ne t'inquiète pas si au contraire tu ne ressens aucune douleur. En fait, c'est un bon signe. Cela signifie que tu deviens plus fort. Si tu fais des choses qui ne te plaisent pas, tu n'auras aucun résultat positif. Si ton entraînement ne t'enthousiasme pas et que tu le trouves ennuyeux, il y a de fortes chances que tes progrès soient très lents. La meilleure solution consiste à revoir ton programme d'entraînement personnel et de te concentrer sur les activités que tu aimes le plus. Ton programme actuel est peut-être très bon, mais s'il ne t'intéresse pas, c'est inutile. Par exemple, le lever de poids n'est peut-être pas ta tasse de thé, mais tu aimes le yoga et cela peut aussi donner de bons résultats. Fais des expériences pour découvrir ce que tu aimes vraiment. Dans le domaine du sport, le moins est le mieux. Aucune séance d'entraînement ne doit durer plus d'une heure. Disons même une demi-heure, mais elle doit être intense. Une séance d'entraînement longue et fatigante ne te donnera pas les résultats spectaculaires que des séances courtes mais fréquentes peuvent donner. Concentre-toi sur des séries et des répétitions pour prendre de la masse rapidement. La logique est simple. Une séance courte nécessite moins de temps de récupération. Tu peux donc la faire plus souvent et obtenir les résultats escomptés rapidement. Notre corps est constitué à 80% des aliments que nous mangeons et à seulement 20% des exercices que nous faisons.
Remplacer la vraie nourriture par des suppléments ne te permettra pas d'avoir un bon entraînement et une bonne concentration mentale. Donc ton efficacité diminuera considérablement. Les compléments sont conçus pour polir tes repas à la perfection, non pas pour les remplacer complètement. N'oublie pas que de nombreuses personnes gagnent beaucoup d'argent en les vendant. Alors ne tombe pas dans le panneau. Pendant que tu fais toutes ces répétitions, n'oublie pas que le muscle le plus important que tu dois entraîner est ta matière grise. Tu peux faire travailler tous les muscles, passer beaucoup de temps à la salle de sport et manger les bons aliments, mais si tu ne fais pas travailler ton cerveau, tu auras plus de mal à réussir. La musique est un formidable outil de motivation. En effet, faire des squats, soulever des poids et faire des étirements dans un silence complet peut être très ennuyeux. Une liste de lecture avec les bonnes chansons peut conduire l'entraînement à un tout autre niveau. Commence par des morceaux plus énergiques et termine par des chansons plus relaxantes lorsque tu passes à la partie finale de l'entraînement avec les étirements. Un massage est un moyen idéal pour aider tes muscles à se reposer. De nombreuses recherches ont montré que cela réduit l'inflammation après l'entraînement. De plus, les muscles ne se développent pas pendant l'entraînement, c'est lorsqu'ils récupèrent qu'ils prennent du poids et de la force. Tu dois donc prêter une attention particulière à cette étape. Il existe un moyen délicieux de remplacer les milkshakes du commerce. Une étude récente a montré que boire du lait au chocolat normal à faible teneur en matière grasse après un entraînement fonctionne tout aussi bien que toutes ces boissons diététiques post-entraînement. En fait, le rapport glucides-protéines est assez bon. C'est pourquoi cela fonctionne si bien. Pour augmenter la productivité de ton cardio, essaie de le faire avec un copain. Tu peux faire du tandem car tu pédaleras deux fois plus longtemps que si tu étais seul. Si cela ne te semble pas jouable, va tout simplement à la salle de sport avec quelqu'un. Les protéines sont la principale source pour le développement musculaire après une séance d'entraînement. Manger avant de te coucher peut être une bonne idée, à condition que le repas soit riche en caséine. La caséine est une sorte de protéine qui prend beaucoup de temps à digérer. Elle maintient le taux de synthèse des protéines élevé toute la nuit. Pour obtenir la caséine dont tu as besoin, prends un yaourt grec ou du fromage blanc avant de t'endormir. Ce dîner, qui ressemble beaucoup à un petit déjeuner, s'appelle un brainer. Et il aide aussi à s'endormir plus facilement et plus rapidement. Mange 5 fois par jour, mais fais en sorte que chaque repas soit plus léger que ce que tu ferais habituellement. La règle 1-2-3 est également très intéressante. Ton assiette doit comporter une part de graisse, deux parts de protéines et trois parts de glucides. Avant de passer à un nouveau régime, il est important de décider si tu veux perdre de la graisse ou gagner du muscle. Mais les deux en même temps, c'est tout simplement impossible. Ajoute des exercices de mobilité dans tes échauffements. De nombreuses personnes commencent une séance d'entraînement par des exercices de souplesse. Mais la mobilité est bien plus importante que cela. Pense à mettre des exercices de squat et d'extension à ta routine d'échauffement. Accroupis-toi et garde tes genoux aussi éloignés que possible l'un de l'autre. Lève un bras vers le plafond, tandis que l'autre bras et la main sont appuyés contre le sol. Les deux bras doivent être aussi droits que possible. Garde l'équilibre, ton visage doit suivre ta main tendue vers le haut. Si tes genoux commencent à fléchir, bloque-les avec tes coudes. La torsion de bassin couché est un autre excellent exercice pour ceux qui veulent améliorer leur mobilité. N'oubliez jamais que l'essentiel dans toute séance d'entraînement est d'écouter son corps. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Les sit-ups sont un bon exercice pour les abdos, mais ce ne sont pas les meilleurs. Premièrement, ils ne ciblent pas que les abdos et nécessitent donc une excellente condition physique, ce qui est dur pour les débutants. En plus, il est trop facile de tricher avec ces exercices, et si tu ne les fais pas correctement, tu peux te faire mal au dos. C'est donc une version moins sûre des crunchs. Pour bien les faire, allonge-toi sur le dos et plie les genoux pour que tes pieds soient à plat sur le sol. Mets tes mains derrière la tête, croise les doigts et soulève la tête et les épaules du tapis dans un mouvement fluide. Assure-toi que le bas de ton dos reste tout le temps collé au sol. Ensuite, redescends et recommence. Un autre bon exercice pour les débutants est le bird dog. Il suffit de t'agenouiller, genoux écartés à la largeur des hanches et les mains posées au sol à la largeur des épaules. Soulève une main et le genou opposé juste au-dessus du sol, tout en te tenant en équilibre sur l'autre main et l'autre genou. Garde bien l'équilibre. Bien qu'il s'agisse d'un bon mouvement, il reste au bas de notre liste car il stimule également le bas du dos, les fessiers et les cuisses. Il ne s'agit donc pas seulement d'un entraînement des abdos. Le V-Up combine le mouvement du torse des sit-ups avec l'extension des jambes. C'est aussi bon pour l'équilibre, la mobilité et les quadriceps. Allonge-toi sur le dos, puis tends complètement les bras et les jambes vers le haut pour former un V. Imagine que tu essaies de te plier en deux tout en restant en équilibre sur ton bassin. Il y a aussi le Beast Hold. Pour cela, mets-toi à genoux par terre, les bras à la largeur des épaules. Décolle ensuite les genoux du sol en gardant bien les pieds par terre. Vois ensuite combien de temps tu peux tenir dans cette position. Essaie une minute pour commencer. Pour un exercice plus avancé, essaie de bouger d'avant en arrière dans cette position.
Le prochain exercice est le holorock. Allonge-toi sur le dos, puis contracte les abdos en soulevant les jambes et les bras au-dessus du sol. Déplace ensuite ton poids de manière à basculer légèrement d'avant en arrière, tout en maintenant une position arrondie. Veille à ne pas relâcher les abdos pendant cet exercice. Tu as sûrement déjà entendu parler de la planche qui est très efficace. C'est pourquoi elle figure dans cette liste. Elle permet aussi de renforcer les bras, les hanches et les quadriceps. Si tu ne recherches qu'un exercice basique, ce n'est pas le plus adapté. Le hover est un autre excellent exercice similaire à la planche. Ici, la différence est que tu dois t'appuyer sur les avant-bras plutôt que sur les mains. Le ab roller est un accessoire pratique à avoir. Il te suffit de plier les genoux et de contracter les abdos. Ensuite, fais rouler la roue devant toi en étendant les bras. Cet exercice est idéal car il cible plusieurs muscles du tronc à des angles différents. L'exercice suivant est le Russian Twist. Assieds-toi sur le sol, jambes tendues. Penche-toi ensuite en arrière de manière à ce que ton torse et tes jambes forment un grand angle. Utilise ensuite ton tronc pour t'équilibrer et tourne le torse d'un côté à l'autre, sans bouger les jambes. Mais ne te contente pas de bouger les bras. Tu dois faire pivoter tout le haut de ton corps de droite à gauche. Voici maintenant la chandelle. Allonge-toi sur le dos, roule sur tes épaules et lève les hanches et les jambes en l'air. Tes abdos seront parfaitement stimulés. L'exercice du dead bug est un autre moyen efficace de renforcer ton tronc et d'améliorer ton équilibre. Allonge-toi sur le dos, les pieds et les hanches à un angle de 90 degrés. Tends les bras en l'air et commence par abaisser le bras gauche et la jambe droite. Arrête-les juste avant qu'ils ne touchent le sol. Reviens ensuite à la position de départ et recommence de l'autre côté. Plus tu étends les jambes, plus l'exercice sera efficace. Pour le rendre encore plus utile, soulève aussi les épaules du sol. Le mountain climber fait partie de l'entraînement de base. Tu dois avoir suffisamment de force abdominale pour te maintenir dans la position de la planche. Garde bien le bassin en arrière et ramène alternativement chaque genou vers la poitrine. Imagine un sprinter sur la ligne de départ. N'oublie pas que si ton bassin n'est pas bien étiré, tes abdominaux ne seront pas suffisamment sollicités. Un autre bon exercice pour les débutants est le heel tap, simple mais efficace. Allonge-toi, genoux levés et bras tendus sur le sol. Descends alternativement chaque jambe pour poser les talons sur le sol. Cet exercice stimule l'ensemble de la paroi abdominale latérale et il est parfait pour ceux qui veulent avoir des tablettes de chocolat. Le prochain exercice est le crunch inversé. Commence par t'allonger, bras le long du corps. Lève ensuite les jambes en pliant bien les genoux à 90 degrés. Expire en ramenant les genoux vers la poitrine et en soulevant les hanches du sol. Garde la position, puis redescends lentement les jambes jusqu'au point de départ. Évite de cambrer le dos car il est important de maintenir la tension en tout point. Le long lever plank est une autre version de la planche traditionnelle. Ici, tiens-toi sur la pointe des pieds et sur les coudes, le corps bien tendu, et colle ton front dans tes coudes. Maintiens ensuite cette position le plus longtemps possible. La planche latérale est un autre exercice simple et efficace. Allonge-toi sur le côté, les genoux pliés et appuie le haut de ton corps sur un coude. Soulève ensuite les hanches du sol et garde la position. Essaie de tenir une minute et recommence de l'autre côté. Le torso track est également un bon outil à avoir. Tu peux en acheter un pour l'utiliser chez toi ou aller dans une salle de sport. Il y a plusieurs manières différentes de l'utiliser et il convient à tout le monde, quel que soit le niveau. L'exercice le plus simple consiste à contracter les abdominaux et à pousser vers l'avant aussi loin que possible. Reviens en arrière et c'est tout. Maintenant, passons à notre top 5. Pour le crunch, jambes à la verticale, croise les mains derrière la nuque et tends les jambes en l'air tout en gardant le bas du dos à plat sur le sol. Ensuite, enroule le haut du corps et décolle les omoplates du sol comme pour faire des abdos normaux. En numéro 4, nous avons les crunchs sur un ballon d'exercice. L'utilisation d'un ballon évitera de te blesser le dos sur une surface dure et te permettra d'exécuter les mouvements avec plus de précision. Cet exercice renforce le bas du dos, soutient la colonne vertébrale et favorise une meilleure posture. Il s'avère même être 40% plus efficace que les crunchs classiques.
L'exercice numéro 3 est la chaise du capitaine. Assieds-toi sur une chaise en tenant bien chaque côté. Contracte bien le tronc et essaie de lever les deux genoux en même temps. Cet exercice peut également être modifié pour s'adapter à ton niveau. Tu peux par exemple essayer d'étendre les deux jambes et de garder la position. Notre deuxième meilleur exercice pour les abdos est le bicycle crunch. Allonge-toi sur le sol, le bas du dos bien collé par terre. Croise les mains derrière la tête, puis soulève une jambe, étends-la. Lève ensuite l'autre jambe et plie le genou vers ta poitrine. Touche alors ce genou avec le coude opposé. Cela devrait faire pivoter ton tronc. Continue à faire cet exercice en alternant chaque côté sur environ 10 répétitions. En tête de notre liste figure le Hollow Body Crunch. Allonge-toi sur le dos, bras et jambes tendus au-dessus du sol en contractant bien tes abdos. Soulève alors la tête et les épaules du sol tout en veillant à ne pas rentrer le menton dans la poitrine. Garde ensuite cette position. Tâche de commencer par 10 ou 20 secondes. C'est l'un des meilleurs exercices pour les abdos, car il ne fait pas appel à d'autres muscles et il ne nécessite pas une grande mobilité. Il fait travailler les abdos supérieurs et inférieurs car tu bascules le bassin et soulèves les épaules du sol. Tu peux facilement brûler plus de calories avec cet entraînement pas à pas que je t'ai concocté. Attention à ne pas reproduire les erreurs que j'ai listées ici. Commençons par un petit échauffement de 60 secondes avec la marche sur place. Cela va faire augmenter ton rythme cardiaque sans trop faire peser de pression sur tes articulations. C'est aussi un exercice de cardio à faible impact qui préparera ton corps aux exercices du jour. Garde tes coudes pliés comme si tu allais courir et commence à marcher sur place lentement. Cela ne devrait pas être un si gros défi. Une fois que tu t'es habitué au rythme, essaie de faire 60 secondes de kick arrière. C'est un peu plus intense car tu dois lever ton pied jusqu'au niveau des fessiers. Mais tu peux brûler jusqu'à 13 calories en 60 secondes, en fonction de ton poids du corps. Allez, à nouveau 60 secondes, cette fois-ci de grand cercle avec les bras. Cela va échauffer ton corps et tes épaules. Nous allons aussi essayer de te débarrasser des tensions dans le haut du dos. Tiens-toi droit avec les pieds écartés et lève les bras sur les côtés. D'abord, fais tourner tes bras dans un sens, puis dans l'autre. Pour donner un peu de tonus à tes fessiers, essaie-les, font alterner. Cela renforcera ton buste et préparera ton corps à un entraînement qui a pour objectif de brûler des calories. Maintenant que tu as transpiré un petit peu, sculptons tes abdos et affinons ta taille avec les abdos contre le mur. Place tes jambes contre le mur et mets tes mains derrière la tête. Lève les épaules et contracte les abdos jusqu'à sentir qu'ils picotent. Essaie de maintenir la position durant 1 à 2 secondes. Pour de meilleurs résultats, garde les épaules détendues et respire quand tu contractes les abdos durant l'exercice. L'exercice opposé à celui-ci est le Superman. On renforce ici le bas du dos et on renforce le buste. La plupart des gens font l'erreur de négliger leur dos et ne se concentrent que sur les abdos. Pour commencer, allonge-toi sur le ventre avec les bras le long du corps. Lève un bras en même temps que la jambe opposée. Abaisse-les, puis lève l'autre paire. Une fois que tu as réussi, essaie de garder les pieds au sol et de lever les deux mains. Puis recommence avec tes pieds. Pour les pros, lève les deux mains et jambes en même temps. Et après un mois environ, essaie de garder la position 4 secondes. Si tu sens des courbatures, essaie de t'étirer pour soulager tes muscles. Renforçons tes abdos et ton corps avec les levées de jambes. Si tu es nouveau, lève les jambes en l'air. Place tes mains sur les côtés ou sous tes fessiers. Choisis la position la plus confortable. Baisse tes jambes à mi-chemin jusqu'à ce que tu sentes tes abdos se contracter. Essaie d'inspirer quand tu baisses tes jambes. Une fois que tu as maîtrisé cette première version, essaie d'abaisser tes jambes, mais ne les laisse pas toucher le sol. Rappelle-toi, il faut éviter de compresser ta poitrine ou d'élever tes épaules au sol. Beaucoup de débutants arquent aussi leur dos, ce qui peut les blesser. Alors ne fais pas cela. Rappelle-toi de garder le dos cloué au sol. Abdos inversés. Il faut faire ressortir cette tablette de chocolat, puisque l'exercice cible les abdos inférieurs. Avec le temps, cela va te faire un ventre bien plat et tu auras un dos bien musclé. Lève les genoux et place tes mains derrière les oreilles pour soutenir ta tête. Puis place les talons en face de tes fessiers.
Lève ta poitrine et ramène-la près de tes cuisses. Tes talons devraient être alignés avec tes hanches. Pour corser un peu les choses, essaie de faire le même exercice durant 30 secondes de plus. Et avec les genoux pliés à un angle de 90 degrés. Une fois que tu deviendras pro, essaie avec les genoux pliés à un angle de 90 degrés et avec les chevilles croisées. Évite de mettre tes coudes trop près de tes genoux et d'abaisser ton menton. Il est temps de se détendre avec l'exercice des ciseaux. Voici un exercice de détente en termes d'intensité. Cela t'aidera à affiner ta taille, mais tu dois garder ton buste engagé tout le temps. Garde le dos droit plaqué au sol, étends les jambes et élève-les du sol. Commence par faire des ciseaux de haut en bas durant 30 secondes. Une autre manière de faire est de pratiquer des ciseaux à l'horizontale. De nombreuses personnes lèvent leurs épaules du sol et courbent le dos, ce qui peut provoquer des blessures. Garde les jambes tendues et une fois que tu prends le pli, ajoute 10 secondes à ta série chaque semaine. L'exercice de l'inchworm. Cet exercice avec le poids du corps va renforcer tes bras et ta poitrine. Quand tu commences à t'habituer aux entraînements tels que l'échauffement que je t'ai montré au début, ajoute l'exercice de l'inchworm à ta routine. Tu dois te plier et toucher le sol avec tes mains. Puis essaie de te déplacer vers l'avant sur les mains sans bouger les jambes. Va aussi loin que tu le peux. Marque une pause durant 2 à 3 secondes, puis reviens en arrière. Tu peux désormais te tenir debout ou rester dans la position où tu touches tes orteils. Cela t'aidera à renforcer tes ischio-jambiers. Si tu accomplis cet exercice trop rapidement, il peut être moins efficace. N'oublie pas d'engager ton buste tout le long de l'exercice et d'éviter de te casser le cou. Si tu n'as pas assez d'espace pour aller vers l'avant, tu peux faire l'exercice sur place. Tu peux aussi compliquer l'exercice en terminant par l'exercice de la planche. Essaie de bien aplatir ton ventre et de tenir la position durant 5 minutes. N'oublions pas les bras avec l'exercice de la table. Ici, nous ciblerons tes épaules, tes fessiers et tes jambes. Cela en fait l'un des meilleurs exercices du jour, puisqu'il revient à faire un entraînement complet en quelques secondes. Rappelle-toi de faire peser ton corps sur le côté de tes mains. Fléchis tes genoux, sors la poitrine, puis pousse sur tes mains et fais une sorte de table, de tes cuisses jusqu'à tes épaules, en ligne droite. Baisse les fessiers et répète autant de fois que tu le souhaites. Voici une autre méthode plus difficile. Éloigne un peu plus tes pieds l'un de l'autre et prends bien appui sur les talons. Abaisse tes hanches de façon à ce qu'elles soient alignées avec tes mains. Si tu es pro, essaie de garder les jambes droites. Fais pointer tes orteils droit devant et roule des épaules jusqu'à atteindre la position de table. Sur la descente, tes jambes devraient être droites. Faisons une petite pause, puis terminons avec la planche en haut et en bas. Cela va renforcer ton buste et tonifier presque tous les groupes de muscles de ton corps. Puisque c'est un exercice avancé, cela permet aussi de perdre du poids facilement. En tant que débutant, tu devrais commencer avec l'exercice classique de la planche. Mais pour un exercice cardio de haute intensité, tu dois faire la planche en haut et en bas, soit la version plus avancée. Place tes paumes sous tes épaules et reviens en haut en alternant les mains. Beaucoup de gens oublient de mettre leurs mains sous les épaules et les placent devant à la place. Or, l'exercice est alors moins efficace. D'autres adopteront la mauvaise posture avec des fessiers trop hauts dès le début, ou ils monteront les fessiers dès qu'ils bougeront les bras. Garde le dos bien droit quand tu fais la planche vers le haut ou vers le bas, pour bien faire l'exercice. Bon, tu as bien travaillé aujourd'hui. Il est temps de finir notre session avec des étirements. Et c'est la position de l'enfant durant 30 secondes pour étirer tes muscles et te détendre. Quand tu es stressé, tu peux essayer de faire cette même position pour te calmer. Puis étire tes abdos durant 30 autres secondes pour gagner en souplesse et te débarrasser des tensions. Tous les jours, essaie un nouvel étirement, comme le dos de chat, dos de chien, l'étirement des ischio-jambiers et l'étirement des fessiers. Eh, dis-nous si tu as apprécié cette séance de sport dans les commentaires. À très vite sur la chaîne Sympa. Le fait de devoir rester assis sur une chaise de bureau toute la journée ne t'empêche pas de faire du sport. Toutes les heures, tu peux faire quelques exercices spéciaux qui ne te prendront que quelques minutes. Les étirements de poignets peuvent être utiles lorsque tu utilises beaucoup ton ordinateur. Cet exercice détendra tes poignets et t'évitera l'inconfort lié au fait de les avoir dans la même position pendant des heures. Mets tes mains devant toi, paumes tournées vers le bas, ensuite plie les mains au niveau des poignets,
de manière à ce que tes doigts soient tendus vers le plafond, puis reviens à la position de départ. Serre les poings et fais des cercles vers l'intérieur. Continue pendant un moment, puis fais des cercles vers l'extérieur. Tu devrais sentir tes poignets s'étirer. Si tu le souhaites, tu peux le faire en tenant des bouteilles d'eau. Elles te serviront de poids pendant que tu fais l'exercice. Laisse ensuite tes mains se reposer et se couler pour relâcher la tension. Maintenant, lève les coudes, presse les paumes de tes mains l'une contre l'autre, devant ta poitrine, et tiens-toi bien droit. Fais lentement pivoter le haut de ton corps en déplaçant tes bras sur un côté, puis pivote lentement de l'autre côté. Lever des bouteilles d'eau est une solution pratique et pas chère, car tu en as sûrement dans ton bureau. Prends-en une dans chaque main et utilise-les pour entraîner tes bras, comme à la boxe, ou pour faire des flexions de biceps. Tu peux accomplir ces exercices en position debout ou assise. Fais entre 10 et 30 répétitions par exercice. Les pompes de bureau sont excellentes pour le haut du corps. Mets tes mains sur ton bureau à largeur d'épaule. Éloigne tes pieds du bureau de manière à ce que tu puisses te pencher dessus. Descends lentement ta poitrine vers le bureau, comme si tu faisais des pompes normales. Assure-toi d'avoir le dos bien droit. Inspire, puis remonte. Fais autant de répétitions que possible. Il est préférable de mettre des chaussures confortables ou de les enlever complètement lorsque tu fais cet exercice. Si tu te sens prêt à faire une variante debout, tu peux faire cet exercice contre un mur. Tu peux facilement soulager les tensions musculaires accumulées dans ton dos après avoir passé des heures en position assise. Baisse le menton et fais rouler ta tête de gauche à droite avec précaution. Ensuite, fais rouler tes épaules pour détendre tes muscles. D'abord vers l'avant, puis vers l'arrière. Tu peux faire cela plusieurs fois par jour. Chaque séance doit durer environ 30 secondes. Maintenant, place tes mains derrière le dossier de ta chaise lorsque tu es assis. Penche-toi vers l'avant, aussi loin que possible. Garde les bras tendus, tire tes épaules vers l'arrière, prends une longue inspiration, expire. Maintenant, place ton bras droit devant ta poitrine et soutiens-le avec ta main gauche pour que les muscles de ton dos puissent se détendre. Appuie sur ton bras droit et essaye de le déplacer le plus loin possible vers l'arrière. Pour étirer encore mieux les muscles de tes omoplates, regarde par-dessus ton épaule droite et reste comme ceci pendant au moins 15 secondes. Mets ton bras droit derrière le dos. Serre une main avec l'autre, comme si tu te donnais une poignée de main, et penche-toi sur un côté. Garde la position pendant quelques secondes, puis penche-toi de l'autre côté. Cet exercice étire les trapèzes. Assieds-toi et lève le bras droit, puis plie-le pour que ton coude pointe vers le plafond. Mets ta main dans ton dos, juste au niveau des omoplates. Mets ton bras gauche derrière ton dos et fais en sorte que tes mains se joignent. Reste dans cette position pendant quelques secondes. Ensuite, inverse les bras. Cet exercice est parfait pour un bon étirement des bras. Les contractions de bras feront travailler tes triceps tout en étirant tes épaules. Tiens-toi debout, pose les mains sur tes hanches, les paumes tournées vers le haut. Tire les coudes vers l'arrière pendant 20 à 30 secondes, en allant aussi loin que possible. Pour faire des étirements de chat, assieds-toi sur ta chaise. Baisse le menton en courbant le dos et les épaules. Reste comme ceci pendant quelques secondes, puis redresse-toi et resserre tes omoplates. Écarte tes épaules et gonfle ta poitrine, tout en levant la tête. Reste dans cette position pendant quelques secondes. N'oublie pas de bien respirer en faisant cet exercice. Profite d'être assis pour faire des exercices de jambes. Lève la jambe droite, essaye de la tenir bien droite, garde-la immobile ou effectue de légères contractions pendant quelques secondes. Assure-toi que ta cuisse droite soit parallèle à la gauche, voire un peu plus haut, et tends les orteils vers le haut. Descends le pied, laisse ton talon toucher le sol, puis soulève la jambe à nouveau. Fais 10 à 20 répétitions sur chaque jambe. Une fois que tu seras familiarisé avec cet exercice, tu pourras ajouter du poids, avec un sac par exemple. Pour faire des dips, il te faut une chaise ou un bureau fixe qui ne bougera pas sous ton poids. Pose les mains sur le bureau ou la chaise, juste sous tes épaules. Déplace les jambes un peu vers l'avant. Tu peux plier les genoux pour rendre l'exercice plus facile. Si tu es à l'aise, garde tes jambes tendues. Ensuite, plie les coudes de manière à ce qu'ils soient dirigés vers l'arrière et abaisse ton buste, puis reviens à la position de départ. Fais 10 à 20 répétitions. N'oublie pas d'inspirer en descendant et d'expirer en remontant. La principale erreur que tu puisses faire, c'est d'enfoncer la tête dans tes épaules en descendant. Concentre-toi sur tes triceps, contracte tout ton corps et garde le cou bien tendu. La seconde erreur est de bouger les hanches de haut en bas, sans bouger les articulations des coudes. Dans ce cas, tu ne stimuleras pas tes triceps. La contraction des fesses est un exercice efficace pour stimuler les fessiers. Quand tu es assis, contracte juste tes fesses l'une contre l'autre. Garde cette position pendant environ 15 secondes. Fais 10 à 20 répétitions et ce plusieurs fois par jour. Des fessiers musclés réduiront les douleurs dorsales qui surviennent lorsque tu restes assis longtemps. Assieds-toi bien droit sur ta chaise et tourne le buste aussi loin que possible vers la droite.
Garde cette position 5 à 10 secondes, puis recommence sur la gauche. Fais au moins 5 répétitions. Cet exercice renforcera tes abdos, lesquels stabilisent ton torse et t'aident à maintenir une bonne posture. Pour étirer tes mollets, assieds-toi bien droit sur ta chaise, puis tiens-toi debout, si tu veux que ce soit plus efficace. Soulève lentement les talons jusqu'à ce que tu sois sur la pointe des pieds. Reste comme ceci pendant 30 à 40 secondes, puis repose les pieds sur le sol. Recommence 3 fois de plus. Pour faire des pompes sur une chaise, assieds-toi bien droit sur ta chaise de bureau, les jambes collées. Saisis les accoudoirs, rentre le ventre et soulève tout ton corps juste à quelques centimètres au-dessus du siège. N'utilise que les muscles de ton ventre, de tes mains et de tes bras. Garde cette position 10 à 20 secondes, puis repose-toi 30 secondes. Fais 5 à 10 répétitions. Si tu es assis toute la journée, il est important de te lever et de t'étirer un peu, au moins une fois par heure. Cela n'aide pas juste ton corps, ça améliorera aussi ta concentration. Faire des fentes t'aidera parfaitement pour ça, car elles stimulent tous les muscles des jambes. Tiens-toi droit et fais un pas en avant avec la jambe droite. Garde le dos droit. La jambe avant doit être pliée à 90 degrés et ton genou ne doit pas dépasser tes orteils. Fais 10 à 20 fentes sur chaque jambe. Si tu veux changer, tu peux aussi faire des fentes inversées. Dans ce cas, fais plutôt un pas vers l'arrière. Il est maintenant temps de faire des squats de chaise. Mets-toi debout, dos à ta chaise. Plie les genoux et baisse les hanches vers le siège. L'astuce consiste à mettre ton poids sur tes talons pour faire travailler tes fessiers. Arrête-toi avant de toucher la chaise. Attention, tes genoux ne doivent pas aller plus loin que tes orteils. Reviens debout et fais 10 à 20 répétitions. Pour faire des impulsions arrière debout, soutiens-toi au bord de ton bureau et plie la jambe droite derrière toi. Fléchis bien le pied. Lève le talon de quelques centimètres, puis relâche-le un peu et tends ta jambe derrière toi. Fais 30 impulsions, puis répète l'exercice avec la jambe gauche. Et ce n'est pas la peine de consommer exclusivement des boissons sportives spéciales. Le jus de cerise prendra soin de toi après ton sport. Il est excellent pour réduire les douleurs musculaires qui commencent généralement un jour ou deux après l'entraînement. Le troisième jour, on a l'impression de pouvoir à peine bouger. Le jus de cerise est plein de minéraux, de vitamines et d'antioxydants. Les antioxydants sont des éléments qui protègent les cellules de notre corps contre les radicaux libres, des molécules qui piquent les électrons de nos cellules et les endommagent. Le jus de cerise griotte est également riche en anthocyanes, surtout si on le compare aux autres jus de cerise. C'est la raison pour laquelle il a un goût plus acide et qu'il est responsable de la couleur rouge vif du fruit. Ce composant est important en raison de ses caractéristiques anti-inflammatoires. L'inflammation que nous ressentons dans nos muscles après une séance d'entraînement signale à notre corps qu'il doit entamer le processus de réparation. C'est là que le jus de griotte peut aider tes muscles à récupérer plus rapidement et à prévenir la perte de force. Tu peux le prendre avant et après l'entraînement. Reste hydraté, surtout si tu as fait une séance d'entraînement assez intense où tu as beaucoup transpiré. Lorsque tu réapprovisionnes tes niveaux de liquide, tu redonnes automatiquement de la force à ton corps, tu améliores la souplesse de tes muscles et tu réduis les courbatures. Il est logique de s'hydrater pour permettre à tes muscles de se développer et de récupérer. Après tout, notre corps est composé à 70% d'eau. Outre le jus de cerise acide, tu peux opter pour de l'eau simple, du thé noir ou vert, de l'eau de coco, du lait au chocolat ou une boisson sportive pauvre en sucre. Ces types de boissons contiennent des électrolytes qui sont des éléments qui vont soulager tes muscles. Cela semble évident, mais oui, le régime alimentaire est essentiel. Ne saute pas les repas, même si tu veux perdre du poids, car tu risques de perdre des muscles de cette façon. Cela fonctionne à l'inverse. Tu dois manger des repas appropriés pour développer tes muscles et accélérer ton métabolisme. Les aliments riches en protéines sont ceux dont tu as besoin pour construire et récupérer des muscles, alors opte pour la viande, les produits laitiers, les œufs, les noix et les légumineuses. En plus des repas plus copieux, choisis de bonnes collations post-entraînement qui ne contiennent pas trop de calories. La thérapie de contraste est une autre chose à faire après l'entraînement. C'est fastoche, d'abord tu te douches avec de l'eau plutôt froide, puis tu passes à de l'eau plutôt chaude et enfin tu répètes l'opération plusieurs fois. Des recherches montrent que ce type de thérapie soulage les muscles endoloris et remet ton corps sur les rails mieux que d'autres méthodes de récupération. Un rouleau de mousse est un outil d'automassage. Une étude a prouvé que les athlètes qui utilisaient un rouleau de massage pour leur ischio-jambier après des séries et des répétitions de powerlifting avaient moins de problèmes de douleurs musculaires que ceux qui ne le faisaient pas. Cela stimule le flux sanguin vers les zones spécifiques que tu masses avec le rouleau, ce qui permet finalement d'apporter des nutriments importants aux tissus musculaires. Tu peux également utiliser le rouleau de massage avant l'entraînement pour échauffer un peu tes muscles, mais c'est un excellent moyen de se détendre après l'entraînement. Passe lentement sur les muscles que tu trouves tendus.
et si tu remarques des points sensibles, reste dessus pendant 20 à 30 secondes avant de passer au suivant. La récupération active, c'est-à-dire la réalisation d'entraînement à une intensité plus faible où tu n'auras pas à transpirer beaucoup, est également une option. Il peut s'agir de yoga, de jogging, de marche ou de natation, mais rien de trop difficile. Mais qu'il semble que tu doives rester inactif pendant un certain temps pour donner à tes muscles une chance de se reposer, rester actif est essentiel. Cela permet au sang de circuler, ce qui aide ton corps à récupérer après des exercices intenses. Et en même temps, tu ne mets pas trop de pression sur les articulations et les muscles. L'activité physique aide également tes muscles à rester souples, réduit les douleurs et élimine les toxines de ton corps. En plus, tu te sens bien en restant actif pendant tes jours de repos, mais à une intensité moins élevée. Et le nettoyage de ton appart est aussi une sorte d'entraînement de faible intensité. Alors mets ta musique préférée et c'est parti! Un bureau debout contribuera grandement à tes séances d'entraînement régulières. Puisque tu as déjà commencé à faire de l'exercice, ne t'autorise pas à être paresseux pour le reste de ta journée. Si tu es trop souvent assis pendant la journée ou au travail, envisage un bureau debout pour améliorer ta posture. Essaie de faire des trucs amusants, comme des poiriers. Ouais, toi d'abord. Bien sûr, tu devras d'abord le faire contre le mur et ce ne sera pas parfait. Mais tu pourras suivre tes règles au fil du temps et tester ta force et ta mobilité. Douche-toi et change de vêtements après avoir terminé ton sport pour éviter les germes. Notre corps possède une couche protectrice huileuse, appelée sébum. Quand elle se combine aux cellules mortes de la peau, elle peut obstruer tes follicules pileux. Alors ne reste pas trop longtemps dans tes fringues pleines de sueur. Échauffe-toi bien pour éviter des blessures et prépare ton corps à des activités physiques intenses. Lorsque tu échauffes ton corps, concentre-toi d'abord sur les groupes de muscles les plus importants, comme par exemple les ischio-jambiers. Commence par un rythme faible et lent, en augmentant progressivement la dynamique et en allant plus vite et plus intensément. Tu peux commencer par 5 minutes d'activités de faible intensité comme le jogging sur place, la marche, le vélo ou des exercices de cardio comme les jumping jacks. En Suède, on les appelle les jumping jacks. Après avoir fait cela, ton corps devrait se sentir chaud, plein d'énergie, les articulations plus souples et te voilà prêt pour la séance d'entraînement. N'oublie pas un bon étirement. Il s'effectue après la séance d'entraînement quand ton corps est déjà chaud. Maintenant, tu veux le refroidir doucement. Aussi, l'amplitude des mouvements est plus grande. Il est très tentant de ne pas le faire, surtout si tu manques de temps après une longue séance d'entraînement. Pourtant, les étirements réduisent les tensions dans tes muscles et augmentent ta souplesse. Tu peux suivre l'amplitude de tes mouvements de manière à déplacer tes articulations dans une direction normale et voir où tu t'arrêtes. Puis la comparer avec la position où tu t'arrêteras après un mois de pratique régulière des étirements. Les étirements préparent également tes muscles pour la séance d'entraînement suivante, qu'elle ait lieu le lendemain ou quelques jours plus tard. Prévois 10 minutes d'étirement pour chaque heure d'entraînement et essaye de cibler la plupart des groupes musculaires que tu as utilisés pendant la séance. Étire chacun d'entre eux pendant 20 à 30 secondes. Et fais attention si tu ne te sens pas bien. Ralentis et ne force pas. Pour un étirement des ischio-jambiers, assieds-toi bien sur le sol, allonge ta jambe droite devant toi en la gardant droite. Plie la jambe gauche de sorte que ton pied gauche touche ton genou droit. Penche-toi maintenant en avant et essaye d'atteindre tes orteils avec ta main droite pour étirer les ischio-jambiers. Si tu n'y arrives pas, tiens ton tibia à la place. Essaye d'aller un peu plus loin à chaque fois que tu fais cet exercice et penche tout ton torse en avant, pas seulement tes épaules. Fais de même avec la jambe gauche. Pour un étirement du fessier, tu dois toujours être au sol. Plie ta jambe droite et garde le pied gauche à plat sur le sol. Croise la jambe droite sur la cuisse gauche et maintiens cette position. Tire les deux jambes vers la partie supérieure de ton corps. Garde cette position et après 30 secondes, fais la même chose du côté opposé. Pour un étirement de laine, assieds-toi sur le sol et colle les plantes de tes pieds l'une à l'autre. Tiens tes orteils et penche ton torse vers l'avant en pliant les hanches. Pour étirer le bas du dos, allonge-toi sur le dos, plie les genoux et serre tes tibias. Rapproche lentement tes genoux de ta poitrine pour sentir le bas de ton dos s'étirer. Pour un étirement des abdominaux, tu dois t'allonger sur le ventre. Les mains sont placées sous les épaules. Lève le haut du corps et garde le bassin sur le sol. Cet exercice cible la zone avant du ventre. Et aussi, assure-toi de bien dormir. Les chats passent environ 2/3 de leur vie à dormir. Cela semble tentant, mais nous n'avons pas besoin d'autant de temps, donc en moyenne, nous n'en passons qu'un tiers. Lorsque nous ne dormons pas suffisamment, notre corps n'a pas assez de temps pour récupérer. Normalement, tu es censé dormir en 10-15 minutes. Si tu es vraiment en manque de sommeil, cela te prendra moins de 5 minutes. Essaie de ne pas faire d'exercice intense avant d'aller te coucher.
car cela pourrait t'empêcher de dormir, alors que faire des exercices régulièrement t'aide à avoir un sommeil de meilleure qualité. Tu sais qu'il est facile de prendre du gras lorsque tu consommes des aliments gras remplis de calories vides ou riches en sucre. Mais si tu connais les bons aliments à manger, ils te donneront une sensation de satiété et t'aideront à brûler les graisses beaucoup plus rapidement. De plus, tu disposeras d'une marge de manœuvre supplémentaire pour profiter de temps en temps d'un cheat meal. Spoiler, tu peux même manger un certain type de pop-corn, mais chaque chose en son temps. Un poivron de taille moyenne contient environ 30 calories. Tu peux le vider, le farcir de dinde ou de bœuf haché et de couscous et le mettre au four. Une autre option est de le couper en tranches et d'ajouter ses bâtonnets à un wok. Les œufs sont riches en protéines, et ces protéines sont si rassasiantes que tu ne pourras probablement pas en manger trop. Ce sont les protéines digestives qui vont faire travailler ton métabolisme grâce à l'effet thermique des aliments. Il s'agit de la quantité d'énergie dont ton corps a besoin pour absorber, digérer et métaboliser tous les aliments que tu consommes. L'effet thermique des aliments représente environ 10% de l'apport calorique total. Ainsi, si tu manges 2000 calories en une journée, ton corps en brûlera environ 200 juste en mangeant la nourriture et en alimentant tous les autres processus qui y sont liés. Si tu fais une omelette et que tu ajoutes du fromage et du lait entier avec du sucre, c'est différent. Mais les œufs eux-mêmes sont l'une des meilleures sources de protéines que tu puisses avoir. Le saumon est le prochain aliment au menu. Si possible, privilégie le saumon sauvage plutôt que le saumon d'élevage. Lorsque le saumon est élevé dans des fermes, il se met à meugler comme des vaches. Je rigole, mais il contient surtout plus de calories et de graisses avec un ratio plus élevé d'oméga 6. Et la majorité des gens en consomment déjà trop. Tu peux le constater toi-même si tu places du saumon d'élevage et du saumon sauvage côte à côte. Le saumon d'élevage présente des lignes blanches plus épaisses qui représentent des stries de graisse. Le saumon est généralement très rassasiant et riche en protéines. Le céleri est composé à 95% d'eau, ce qui en fait l'un des aliments les moins caloriques que tu puisses trouver. Il est assez rassasiant et apporte à ton corps les nutriments dont il a besoin, comme le calcium, le potassium et les antioxydants. Les antioxydants sont des éléments qui ralentissent le processus d'endommagement des cellules de ton corps. Celui-ci produit des radicaux libres et des molécules instables en réaction à ton environnement extérieur. Ils sont coupables d'endommager les cellules, si bien que ton travail consiste à équilibrer ton alimentation pour que ton corps soit plus sûr. Tu peux essayer d'épicer ce repas de céleri avec une sauce faible en calories comme la salsa. Un récipient moyen de salsa contient environ 130 calories. La sauce piquante est également excellente. Elle ne contient pas de calories et se marie très bien avec les aliments riches en protéines comme le thon, les œufs ou le poulet. Les légumes comme le céleri et les poivrons feront aussi l'affaire. Les piments contiennent un ingrédient actif appelé capsaïcine. C'est ce qui rend la sauce piquante. Cet ingrédient peut accélérer ton métabolisme, ce qui t'aide à brûler plus de calories sur une période plus courte. Les épinards sont certainement l'un des légumes les moins caloriques. La plupart des épinards sont de l'eau de toute façon, et un bol ne contient que 7 calories. La plupart d'entre elles proviennent des fibres insolubles. Cela signifie que tu seras rassasié, mais en même temps, tu ne te gaveras pas d'un tas de calories inutiles. Et tu obtiendras des nutriments très intéressants comme le potassium, le magnésium et les vitamines. Il est facile de le préparer puisqu'il cuit en très peu de temps. Tu peux aussi le manger cru ou l'ajouter à tes smoothies. Le brocoli et le chou frisé sont deux autres légumes verts qui t'aideront à maintenir un poids santé. Le brocoli est riche en fibres, ce qui signifie qu'il te rassasie plus longtemps. Tu peux le cuire à la vapeur ou le manger cru et le servir comme un excellent plat d'accompagnement. Il contient 31 calories par tasse et le chou frisé en contient 33. Crois-le ou non, les humains mangent probablement du chou frisé depuis environ 3000 ans. Des écrits du début de l'ère romaine mentionnent des plantes vertes à feuilles qui incluent probablement aussi le chou frisé. Le chou frisé est riche en vitamines A, C et K. Il pousse mieux en hiver et en automne, par temps plus froid, et doit donc être conservé au frais. Le chou frisé est également idéal pour les smoothies si tu aimes son goût lorsqu'il est cru. Une autre option consiste à vaporiser quelques feuilles de chou frisé avec un peu d'huile d'olive et à les faire cuire au four. Y a-t-il des fans de chou-fleur ? Oui, ce n'est pas quelque chose dont tu auras probablement envie. Mais il ne contient que 27 calories par bol, c'est donc un bon choix lorsque tu es à court d'idées diététiques. Si tu n'es pas un fan de crudité, tu peux toujours le faire cuire à la vapeur et l'aromatiser avec des épices et des herbes ou un peu de zeste de citron. Tu peux aussi le faire cuire au four. Le chou-fleur est idéal lorsque tu as besoin d'une alternative aux plats d'accompagnement riches en glucides comme le riz ou les pommes de terre. Tu peux couper le chou-fleur en petits morceaux et le faire cuire à la poêle ou le faire bouillir et préparer une purée de chou-fleur. Tu peux y ajouter un peu de beurre car c'est un aliment pauvre en calories qui te laisse un peu de marge pour tricher. Le chou-fleur est également un excellent choix pour préparer une pizza à faible teneur en glucides. Vraiment, c'est bon.
Que dirais-tu d'ajouter plus de soupe à ton alimentation? Elle est composée d'au moins 90% d'eau. Le reste dépend des ingrédients que tu préfères. Tu peux la préparer à partir de légumes sains et nutritifs et l'associer à des aliments riches en protéines comme le poulet. Soupe de poisson, de bœuf, de champignons, de tomates. Si tu prépares une soupe crémeuse, tu seras rassasié. Tu auras automatiquement envie de manger moins et tu ne pourras pas manger autant d'aliments plus lourds. La courgette mérite vraiment de figurer sur cette liste. Elle est pauvre en calories et tu peux aussi la préparer de tellement de façons. Pâte de courgette, nouilles, frites de courgette au four, la liste est longue. Elles peuvent remplacer avantageusement les plats de pâtes, surtout si tu as un spiraliseur qui t'aidera à les rendre belles et fines. Les plus savoureuses sont généralement de taille petite à moyenne. Bien que la plupart des gens la considèrent comme un légume, la courgette provient de graines et pousse sur la partie fleurie de la plante. Il s'agit donc techniquement d'un fruit. L'avocat est un aliment riche en nutriments que tu peux facilement ajouter à n'importe quelle recette. Il est plein de bonnes graisses. Près de 80% de ses calories proviennent des graisses. Et c'est un fruit, pas un légume. Plus sa peau est foncée, plus l'avocat est mûr. Et si tu veux accélérer le processus de maturation, mets tes avocats dans un sac en papier avec des bananes mûres. Le gaz éthylène produit par les bananes rendra ton avocat prêt à être mangé plus rapidement. Tu peux remplir les moitiés d'avocat de salsa ou saupoudrer des tranches de sel marin. Le blanc de poulet est l'une des sources de protéines les plus maigres que tu puisses avoir dans ton régime. Il se marie parfaitement avec certains des légumes de la liste lorsque tu souhaites un repas léger et peu calorique, qui aidera tes muscles à récupérer et fournira des protéines à ton corps. Les encas sains existent. Les noix en sont un bon exemple. Elles sont une excellente source de graisse saine et de protéines, ce qui signifie qu'elles t'aideront à rester rassasié plus longtemps. Prends une poignée de pistaches, d'amandes, de noisettes ou de noix de macadamia au lieu de chips, de frites et d'autres aliments de junk food. Pour qu'elles durent plus longtemps, prends des noix en coquille. Si tu as envie d'un goûter léger et nutritif mais en même temps rafraîchissant, prends une poignée de raisins congelés. Ils satisferont ton envie de sucrerie sans ajouter trop de points à ton apport calorique. Si tu n'es pas fan de raisins, essaye des bananes congelées. Si tu aimes grignoter du pop-corn en regardant des films ou ton émission préférée, ne t'inquiète pas. Il fait aussi partie de la liste des aliments hypocaloriques. Cet encas peut te faire gagner de la graisse corporelle et du poids si tu en manges trop, bien sûr. Surtout si tu choisis un paquet avec beaucoup de beurre ajouté. Mais si tu prends un paquet de maïs ordinaire que tu peux préparer à la maison sans trop d'huile et de beurre, tu es tranquille. Le pop-corn contient beaucoup de fibres, ce qui signifie qu'il est difficile pour toi de trop en manger. Il est en effet plus facile de manger des chips que des encas plus sains comme le pop-corn. Une portion individuelle de yaourt à la grecque ou d'un autre yaourt à faible teneur en matière grasse est une autre option. C'est une collation facile et prête à emporter que tu peux combiner avec des fruits frais ou congelés, des graines de lin moulu ou même du granola à faible teneur en gras. La pastèque contient plus de 90% d'eau. Les aliments ayant un pourcentage élevé en eau sont généralement peu caloriques et assez rassasiants. Tu n'en mangeras donc probablement pas trop. Un bol de pastèque contient moins de 50 calories. Bonus, ça t'aidera à rester hydraté pendant les chaudes journées d'été. En parlant d'aliments composés principalement d'eau, en voici un que tu peux manger en grande quantité et ajouter à tes salades, le concombre. Vitamine A, bêta-carotène, fibres, tu obtiens tout cela et il te suffit de couper le concombre en tranches et de le saupoudrer d'un peu de sel. Et voici la meilleure partie. Même si tu fais un faux pas de temps en temps et que tu te fais plaisir avec quelque chose que tu aimes vraiment, cela ne devrait pas te faire de mal tant que tu t'en tiens à une alimentation de base saine. C'est compris ? Bien !